Salut à tous, Eric Le Gout chez Galago Music. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais m'efforcer de vous apprendre le morceau All You Need Is Love, qui est donc un titre des Beatles, hein, qui est sorti en 1967 au cours de la toute première émission diffusée en Mondovision. C'est-à-dire que c'était du live, hein, et il y avait entre 400 et 700 millions de personnes qui écoutaient le morceau. Donc il fallait quand même avoir l'estomac bien accroché, et donc les Beatles ont enregistré ça dans le studio numéro 1 d'Abbey Road. Donc si vous cliquez ici, clic, ça vous permettra d'aller consulter ce live qui, je vous promets, vous permettra de passer un excellent moment. Et alors pour les Beatles Maniacs, je tiens tout de même à préciser que c'est John Lennon, hein, qui a écrit cette chanson, même si c'est décrédité comme d'hab Lennon-McCartney. Mais bref, c'est notre ami John qui a signé celle-ci. Voilà, donc ça c'était pour les aspects généraux, hein, du morceau, découverte, tout ça. Et je pense qu'il y a une petite résonance particulière auprès des personnes qui étaient là au bar des Ferrailleurs le dimanche 7 février 2016. Et que s'est-il passé ce jour-là? Et bien en fait, il s'agissait du tout premier tuto enregistré en live. Donc il y a une vidéo reportage sur toute l'après-midi qui va être faite et postée la semaine prochaine. En attendant, voici toujours un petit extrait. C'était vraiment très bien. Et pour les personnes qui étaient là au bar du ferrailleur, justement, je voudrais vous montrer comment rajouter quelques petites choses de manière à faire swinger l'ensemble encore plus. Let's go déjà pour l'intro. Donc l'intro du morceau, bah, c'est la Marseillaise, hein. Donc là, je vous en ai fait une petite adaptation, spécialement pour la guitare, qui donnera quelque chose comme ça. Ok, comment j'ai fait? Alors j'ai commencé sur la troisième case de la corde de si, et j'ai fait 3, 5, et ensuite j'ai tapé 3 du petit mi, et 4 de la corde de sol. Et à ce moment-là, je vais donc choper deux cordes à la main droite, avec pouce index par exemple, ce qui donnerait qu'avec le rythme, 2, croche, noir, je retape ça une deuxième fois. Après, je vais bouger le majeur en cinquième case de la corde sol, et je place l'annulaire en cinquième case du petit mi, et je vais gratter ces deux mêmes cordes deux fois de suite. Du coup, 2, croche, noir, 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 et puis après on va faire un grand trajet, étant donné, donc vous allez lâcher l'annulaire, et le majeur va grimper en 11e case de la corde de sol, et vous allez rajouter l'index en 10e case de la corde du petit mi, ok, et vous chopez ces deux notes là. Donc je vous fais tout depuis le début, plan un peu plus large, alors... Ok, dès que vous êtes arrivé là, 12e case de la corde de si, et après, 8e case de cette même corde de si. Ok, donc dès que vous avez fait 10, 11 en même temps, on fait 12, 8. Ok, vous devriez arriver avec l'index. Après, vous rejouez cette 8e case, mais vous remplacez l'index par le majeur, parce que on a besoin de la 7e case avec l'index, justement. Du coup, 1, 2, 8e case, je remplace par le majeur, je tape la 7e case du petit mi, 8 du si, et 9 de la corde de sol, et c'est quasiment fini. Donc je vous reprends depuis 10, 11, 1, 2, et 3. Dès que vous avez joué celle-là, qui est une noire, vous allez taper la 8e case, la 8e case du petit mi, qui est donc une blanche, qui va valoir 2 temps, et on terminera par 10 et 7. Alors je vous refais depuis 10, 11 à nouveau. 1, 2, on se dépêchera vite d'atterrir sur un sol majeur. Donc pour le couplet, on va trouver un accord de sol pour démarrer. Alors ce sol là, vous pouvez le faire de plusieurs façons, soit avec le doigté que j'aime bien comme ça avec 4 doigts, ou bien celui-ci qui sera plus pratique dans bien des situations, c'est-à-dire annulaire et majeur en 3e case du mi et 2e case du la, et petit doigt en 3e case du petit mi. Alors la première moitié du couplet, méthode numéro 1, c'est-à-dire on va pas rajouter de fioritures, on va juste aller vraiment l'essentiel pour que ça fonctionne bien. Ça donnerait ça, sol, Ré, vous pouvez faire Ré, basse, fa dièse d'ailleurs, hein, en passant, en appuyant le pouce ici, en deuxième case. Bref, donc, Sol, Hop, Ré, 3 coups sur le Mi mineur, et on commence. Sol, Hop, Ré, et 3 coups sur le Mi mineur. 2, 3, ok. Donc ma rythmique ici, c'est Bas, Bas, Haut, Bas, Bas, Haut,
niveau bas. Et vous voyez, je suis dans un découpage shuffle. C'est-à-dire que quand je fais mon aller-retour, j'ai vraiment un truc qui swing. C'est-à-dire que le premier coup est un peu plus long que le retour derrière. Ce qui fait que ça donne noir, deux, croche, noir. Hein, le shuffle, c'est toujours sur les croches. Hein. Noir, deux, croche, noir, deux, croche, noir. Et il y a le coup du deux, croche. Ah, c'est ça, le shuffle. Deux, croche. Si c'était pas shuffle, ça ferait juste deux, croche. Ouais, c'est un peu plus droit, quoi. Donc rythmique, pas, pas. Voilà. J'aime les filles de chez Castel. Voilà, peut-être un bon moyen pour vous souvenir de cette rythmique. Donc l'idée, c'est que quand je rencontre un O, je vais changer d'accord. Ici, pour faire le sol vers le ré, je fais donc bas, bas. Je fais ma remontée, hop, j'ai aucun do en commun. J'aurais pu commencer d'ailleurs par le sol majeur de cette position-là. Bas, bas, là j'ai un do en commun. Donc sur le retour, j'enlèverai tout sauf celui qui est déjà en place pour y faire arriver celui d'après. Donc sol, hop, hop, et aucun do en commun. Sur le mi mineur, je vais faire juste 3 coups. 1, 2, 3, et un petit retour qui servira de hop pour se replacer. Donc 1, 2, hop, ré, hop, 1, 2, 3, hop, je refais pareil. 1, 2, 3. Hop, ensuite, la deuxième moitié du couplet, la mineure. Hop, je reviens vers un sol. Et là, je fais mon hop à nouveau. Je vais avoir deux mesures complètes de ré, c'est super long. Avec cette rythmique-là, du coup, bas, bas, haut, bas, bas. Deuxième mesure. Voilà, on a fait deux mesures de ré complet. Et là, on rejouerait à nouveau, mais que trois temps. Genre 1, 2, 3. Et je reviendrai à la maison. Donc la deuxième moitié du couplet, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. 1, 2, hop, sol, hop, première mesure, 2, 3, deuxième mesure, et 1, 2, 3, hop, et je reviens au début du couplet. D'accord ? 2, 3, hop, troisième mesure du couplet. Voilà, donc ça c'est une méthode qui fonctionne très très bien. L'embêtant notamment, c'est qu'au moment donné où le ré dure longtemps, on a une ligne de basse à ce moment-là, que je vais vous montrer comment on peut intégrer à l'intérieur. Alors, méthode numéro 2, couplet. La rythmique globalement, c'est pareil. Sauf que... 1, 2, 3, et... Ah ah ! J'ai fait un petit machin très sympa. J'ai fait mi mineur deux fois. 1, 2, donc 2 noirs. Et là je gratte le ré à vide. Et après la deuxième case de cette corde de ré. Et ces deux notes-là, c'est des croches, ce qui fait que ça donnerait 1, 2, tin, tin. Et tout de suite après, il faut que je revienne sur le sol. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser cette petite position partielle, où vous n'aurez même pas besoin en fait d'appuyer avec le majeur. Si vous bloquez la corde de là, ça fait quand même un sol majeur. On a la tierce ici, le si à vide. Ce qui veut dire que quand vous sortez du mi mineur, 1, 2, 3, et 1. En boucle, 1, 2, 3, et 1, 1, 1, 2, un peu moins vite, hop, hop, 1, 2, 3, et ok. Pour se diriger vers la deuxième ligne, vous conservez le majeur là où il est, et on va construire le la mineur autour, ouais, hein, là on a les deux mesures complètes plus trois temps. Sur la première mesure, on fait rien de spécial. On conserve la rythmique qu'on faisait dans la méthode numéro 1, à savoir bas, 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 haut. Arrivé à la fin de cette première mesure, on va faire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors là, je préfère prendre un médiator, parce que sinon j'ai du mal à viser pour vous montrer ce genre de petites choses. Donc la descente durée. Donc première mesure normale. Ensuite... 1, 2, croche, j'enlève ce doigt là et je vais le placer en troisième case de la corde de là. Ok. Et après je vais avoir la montée qui fait. Et bim, je le refais tranquilloute.
Hein. Là, on n'est pas obligé de faire le petit retour en fait. Hein. Par contre, ce qui compte, c'est que le majeur vient en troisième case de la corde de La. Et pour terminer, Si, Do, Ré. Deuxième case et troisième case de la corde de La. De, Croche, Ré à vide. Et Ré, Mi, 0, 2 de la corde de Ré. Donc, encore une fois, première mesure normale. 1, 4 et 1, 2, 1, 4. Tan, 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 tan. Et là, voilà, soit vous revenez au couplet au début, soit vous attaquez le refrain. Alors, une fois le couplet en entier, 3, 4. Sur le solo qui est accompagné par une grille de couplets. Alors pour ce refrain, c'est la même rythmique à la main droite. On va avoir une demi-mesure de sol, hop là, un accord de La majeur. Alors moi je le fais comme ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est que la corde de gros mi soit bloquée, La vide, 2-2-2, bien le La majeur comme ça, hein, si vous le souhaitez, c'est bien pareil. Et après, on va vers un Ré majeur. D'accord. Donc sol, alors la méthode 1, on ferait un accord de Ré majeur avec la rythmique complète. Et après on fait pareil, Sol, La, 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 La. Ok, la méthode numéro 2 consiste sur le Ré à faire deux coups vers le bas, suivi de... fait ce 0, faut vite vous placer sur la note sol, enfin troisième case du gros mi, choper cette basse là qui vous servira de premier temps pour compléter la mesure. Ce qui veut dire que ba, donc sur le ré la descente, ba, 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 sol, ba, 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 deux, ba, 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 sol, ba. Vous voyez, ce sol en fait c'est le premier temps que je fais quand je fais la rythmique normale. Ba, comme si je faisais ba, 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 ba. D'accord. Donc le refrain, première ligne. Ba, 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 ba. Après Mi mineur, qui deviendra Mi mineur 7 juste en enlevant celui-ci. Donc deuxième ligne. Ba, ba, hop. Et la fin du morceau, La mineur. Ba, ba, hop, Ré, hop, Sol. Et cet accord de Sol majeur, on ne le rattrape que deux fois. Voilà, donc ça c'est un des grands principes dans ce morceau, c'est d'avoir des mesures qui sont incomplètes, qui valent 3 temps, parfois 2, souvent 4. Hormis ça, vous devriez très bien vous y retrouver. Alors je vous fais un petit résumé, je vais faire deux couplets. Le premier couplet c'est avec la méthode d'accompagnement numéro 1, et la deuxième fois du couplet avec les remplissages et tout ça. Et pareil pour le refrain. Donc couplet, méthode numéro 1, 3, 4... Chante, attention, je parle.
avec la méthode de remplissage. C'est terminé pour aujourd'hui, donc comme d'habitude, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je profite de cette fin de vidéo pour remercier également les 4 tipeurs qui m'ont laissé un petit quelque chose cette semaine sur ma page Tipeee. Un énorme, énorme merci à Eva, Christian et Catherine. Merci également à Sébastien. Merci de vos soutiens. Merci de vos mots d'encouragement. Ah oui, puis j'oublie, mais c'est important, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la vidéo reportage de cette journée au Bar des Ferrailleurs, dans lequel a été enregistré donc le tuto live sur All You Need Is Love. Je remercie au passage Livio pour son accueil, ainsi que Nourdine de la page guitariste débutante qui a permis justement ces rencontres. Je salue également Anthony, et puis enfin bref, toutes les personnes voilà, qui étaient là ce jour-là, et on a passé un trop beau moment. Donc j'ai hâte de vous faire partager les images et tout, encore que je fignole la fin du truc. Mais ça devrait vous plaire, hein, je vais faire en sorte que... Non mais d'accord, je vous laisse cette fois-ci. Allez, bonne musique à tous, et à très bientôt. Ciao.